Pourquoi tu mets du sel là? C'est pour ceux comme elles arrivent de la mer, tu sais, ouais. Pour pas qu'elles soient les jetées direct dans l'eau douce, pour pas qu'elles soient trop fatiguées, tu vois. Ah, d'accord. On les laisse dans l'eau salée pendant 24 heures et ensuite on les passe dans l'eau douce. Alors pourquoi tu pêches de nuit en fait? Parce que la civelle elle vit que au fond, donc au fond il fait noir et elle remonte en surface quand il fait nuit, c'est à ce moment-là qu'on la pêche. Bon Mathéo, quelle est la technique de pêche alors? Alors la technique de pêche pour la civelle, on vient fixer des tamis de diamètre d'1 mètre 20, 1 mètre 20 de diamètre, de chaque côté du bateau. Et on vient naviguer pendant 5-6 minutes et on les remonte au bout des 5 minutes. Et en même temps dans la marée, il faut qu'on cherche la profondeur, ça peut très bien être en surface, au milieu ou à bout de manche. Il faut chercher où est-ce que où est le poisson. Il y en a beaucoup là? Il y a peut-être 100 grammes. Plus j'enfonce, plus il y en a. D'où viennent les civelles en fait? Les civelles, elles viennent de la mer des Sargasses. Et puis elle revient ici en Loire faire sa vie avant de repartir après. Une fois adulte, dans la mer des Sargasses, se reproduire. Alors j'ai entendu parler que vous aviez des quotas, c'est quoi ces quotas? Ces quotas, c'est des autorisations de pêche qu'on a par bateau. Donc on a une partie qui va pour la consommation et une partie qui va pour le repeuplement. Donc ce qu'on est en train de faire cette nuit, c'est une partie qui va aller au repeuplement pour les rivières françaises. Alors c'est quand les périodes de pêche? Alors les périodes de pêche pour la civelle, c'est du 1er décembre au 30 avril. On les laisse un peu s'égoutter comme ça pour retirer toute l'eau. À qui revends-tu les civelles alors? Alors ces civelles, on les revend à des mareyeurs spécifiques.
qui ensuite les revendent à l'étranger, soit pour consommer ou pour repeupler les rivières. Quatre kilos ça. Moins un kilo. Non, j'ai déterré la caisse. J'ai clair. Alors, ça c'est nos carnets. On est le 20. Ouais, c'est nos carnets de fin de marée. On doit remplir les poids, sur quel lot ça a été pêché, tout ça. À chaque fin de marée. Et ça, c'est pour les affaires maritimes, quoi. Ouais, c'est obligatoire. Bah, tu te fais arrêter, t'as pas fait ça, tu prends 5000 euros d'amende et 50 suspensions de licence. Ah ouais, en rentrant avec les bestioles dans le coffre, quoi. Ouais. Le camion, on n'a pas le droit d'être démarré avant. Ah oui. Tac. Bon bah il est 6h du matin, on va aller mettre les civets à la vivre et puis on va aller se recoucher puis on recommence demain.